Et bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Honkai Impact. Comme d'habitude, avant de commencer, le petit pouce de soutien et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous rappelle que je stream le mardi et le jeudi sur ma chaîne Twitch. Le lien sera dans la description. Le mardi, en général, je fais du Honkai Impact. On fait du farming tranquille, on fait du royaume élyséen. On y va tranquillement. Et le jeudi, du jeu d'horreur. Avant, je faisais du Phasmophobia. Maintenant, je vais voir ce que je fais. Parce que pour le jeu a pris une petite direction qui ne me plaît pas trop. À part booster les fantômes, ça fait rien. Alors, donc aujourd'hui, comme d'habitude, la superstructure. On va y aller. Alors, du gel. Ice. C'est parfait. C'est parfait. Là, ensuite, on a du physique. C'est parfait. Nickel. Asuka. J'ai que ça à dire, Asuka. Elle va prendre, elle va défoncer tout le monde. Et ici, on verra parce que lui, il fait assez mal. Pardon. Allez, c'est parti. Donc, techniquement, voilà. On a l'équipe. Ah non, d'ailleurs, non. Non, non, non. Non, désolé, mademoiselle, mais il me faut elle. Elle et... Alors, je vais revérifier, mais j'ai pas vu de quantique. On va vérifier. Donc ici, il n'y a pas de quantique. Ici, il n'y a pas de quantique. Ici, il n'y a pas de quantique. Ok, donc j'ai bien fait de changer l'arme. Allez. Donc, on y retourne. Malheureusement, j'ai toujours pas de support de type... Enfin, de FV de type gel. Donc, je vais continuer avec notre ami Jingwei pour le soin. Allez, comme d'habitude, n'hésitez pas à activer les boosts. De toute façon, maintenant, ça coûte des pièces. Et comme vous pouvez le voir, hein, j'en ai un petit paquet. Voilà combien. 85 millions. Ça va. Alors, on peut se perdre. Allez, c'est parti. Pendant que ça charge, le petit pouce bleu, n'hésitez pas. C'est gratuit, ça prend quelques secondes. Et ça fait toujours plaisir. Allez. Donc là, on va juste utiliser ça et on switch sur notre magnifique Cavaleress Artemis. Allez, hop, on y va. Bah, j'ai oublié petit. Voilà, donc là, elle, dès qu'on a fait apparaître les petits, elle ou la souris. Dès qu'on a fait apparaître les petits lapins, vous pouvez switcher. Ça vous déclenchera le vidéo automatiquement. Allez. Hop. On y va, donc n'hésitez pas à vous servir du décor hein, pour aller plus vite. Allez, hop. On n'oublie pas de refaire l'ultime. Malheureusement, j'ai toujours pas sa perme. Simplement parce que j'ai pas suffisamment de combos. J'ai pas suffisamment de combos donc. Allez hop. On va même utiliser ça.
Allez, on y va, vous voyez. Vraiment, il n'y a pas de difficulté pour ce niveau. On fait ça, les doigts dans le nez. Et on finit. Voilà. Donc le personnage est déjà de base très très bon. Je l'ai équipé de son set Anachariac. J'ai fait une petite vidéo showcase, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Je vous la remettrai sur le bouton i en haut à droite si vous voulez voir un petit peu à quoi s'en tenir avec elle. Allez, ensuite, bon, on va faire directement le niveau physique. Le niveau physique, on a tout. Je vais juste enlever Carole pour mettre elle. C'est largement suffisant comme ça. Allez. Donc là, normalement, cette semaine, je devrais débloquer Empire Azur. Donc, je suis en train de réfléchir si je préfère acheter les fragments ou... ou si j'achète directement le personnage à 32. Mais normalement, on m'a conseillé de ne pas prendre le personnage à 32. C'était inutile. Donc si je prends pas le personnage à 32, je vais pouvoir finir mon build de Empire Azur. Je vais pouvoir finir le build de ma Air Shard à la raison. Enfin, le full set. Ouais. Allez. Hop. Et on arrivera peut-être à faire un petit peu plus de DPS pour certaines superstructures. Bon, allez, on va claquer l'ultime. Et oh, qui t'a permis de me stun? Et en plus, j'ai rien pu faire. Ah. Eh, bande de salauds. Allez, ben pour la peine, on claque l'ultime avec l'air chef de la sentience. Allez, on contre. C'est ça que j'adore avec les persos du type lance, c'est qu'on peut contrer gratuitement. C'est parti. Ouais, hop. Allez. Le dernier étage. Bim. Voilà. J'adore les ralentis comme ça. C'est tellement bon de voir ces ralentis. Allez, donc voilà, pour le moment, vraiment, il n'y a pas de... vraiment pas de difficulté. Ça change un peu de certaines superstructures, faut être honnête. Donc là, on a la team. Alors, l'équipe gagne 24% de tous les dégâts élémentaires, toutes les brognas, les cils gagnent de 21% de dégâts totaux, 10% non, l'équipe a 20% de dégâts en plus grâce aux ultimes au bois d'explosion, non, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça, c'est le mieux, je pense. Après, bien sûr, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire quel build vous utilisez. Ouvert à toute suggestion si vous en avez. Après, moi je joue avec les personnages que j'ai l'habitude et surtout que j'apprécie le game. Donc
dis à chaque fois, moi, honnêtement, les gros Kniprogniens, j'aime pas trop jouer à part la Herrscher et Axor. Les fois, hormis la Herrscher de la Raison et Empire Allure, elle m'intéresse pas trop au niveau gameplay. Mais elle reste très très forte, hein. Attention. Tous les personnages sont forts de toute façon. Du moment on les joue bien avec le stuff qu'il faut. Mais bon, n'oubliez pas que certains personnages vont vous dater. Même s'ils restent forts, ils resteront légèrement inférieurs à des personnages plus récents qui viennent de sortir. Allez, on va soigner un petit coup. Mais bon, jouez ce que vous aimez, c'est le plus simple. Et vous prendrez surtout beaucoup plus de plaisir. Ouais. Voilà, donc un petit outil pour aller plus vite. Alors, recevez moins d'un coup, pardon, excusez-moi. Donc là, on va juste courir. Hein. On va s'échapper. Allez, la souris, merci. Tâche finale. Allez, bim. Ah, ça y est, le Axor Lapin est encore bugué. Allez, on va la faire remettre sur le terrain. On claque l'ultime de Archoer. C'est pas là honnêtement c'est une partie de plaisir. On retaque ça, voilà. Alors, par contre dommage, il y a toujours le son des flammes. C'est un petit peu dommage ça. Allez, donc comme d'habitude on prend la récompense, bim bim bim, allez. Et là, on va voir. Alors, ici, qu'est-ce que j'avais pris ça comme team? Ok. Donc, le premier de type psy. Ok. Alors, ce qu'on peut faire. Pour faire ça rapidement. Donc, bien sûr, comme d'habitude, on pose Axor Lapine. Ouais. On va essayer d'aller le plus possible en contact. Non, ah, je me suis trompé de touche. Pomper le tout. Ok. La caméra, s'il vous plaît. Donc, allez, là on prend elle. Hop, hop. En ultime.
mauvais ciblage. Ah non, c'est retourné. C'est pas terrible. Est-ce que... Alors, est-ce que... Qu'est-ce qu'il a comme résistance? J'espère qu'il n'a pas de résistance physique. Ça m'arrangerait. Résistance au feu. Donc, on va changer la petite combo. On va faire un test. Alors, bonjour, les amis. On y va avec Mademoiselle. 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 Ah, on va voir si on fait un meilleur score. On va voir ça tout de suite. Allez. On y va clairement. Plus vite on y va, mieux c'est. Alors, est-ce qu'on a... Non. Voilà, Asuka est prête. Allez, on break. En ultime. Allez, 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 allez. Ah non, ah, des bugs s'il vous plaît. Merci, la target, la bonne cible s'il vous plaît. Je suis en train de target le renard, mais c'est pas grave, ça me target au troll. Bon, j'ai fait pire. On a fait pire. Bon, de toute façon c'était un test, hein, mais j'aurais pu faire à peine mieux, je pense, en ayant en ayant eu un meilleur target, mais bon. De toute façon, t'as vu, c'est pas vraiment compliqué, faut être réaliste. Il y a tous les premiers niveaux qui ont un problème. Hein. Vraiment, ils sont tous faciles. Après, qu'est-ce qu'ils nous recommandent? Ah oui, oui. Merci, ben, je l'ai pas. Ampiazur, non possédé, manque de bol, pas encore, et elles n'ont pas du tout, mais bon, on verra. Donc voilà, écoutez, vraiment pas de difficulté, hein. En plus, alors je sais pas si c'est toujours d'actualité à l'heure actuelle, mais il y avait eu un petit event, un petit bonus de connexion, vous connectant 3 jours à la suite, vous pouviez choisir entre Rosemary Déchu, la chevaleresse Vermillon et la chevaleresse Artemis. 3 très bons personnages qui marchent très bien. D'ailleurs, vous avez pu voir la chevalière Artemis en action. Tous les personnages font le taf, de toute façon. Je vous le dis à chaque fois, mais... Vous allez finir par me croire un jour.
Voilà, sinon, qu'est-ce que... Attends, je vais remettre l'équipe originale. Comme ça, je vais pouvoir faire des tests. Encore un petit peu par la suite. Elle. On remet elle. Et... on remet elle. Donc voilà, ça, c'est la petite compo de base. Après, on vous recommande celle-là. Si vous les avez, n'hésitez pas à les tester. Hein. Moi, il me manque encore elle. Je vais la prendre cette semaine. Voilà, déjà avec cette équipe, je pense que je peux faire mieux. Je comprends pas pourquoi l'accent lapine a eu un petit bug. Ça m'arrive souvent, ça. Est-ce que c'est dû au fait que pendant quelques secondes, on ne tape pas ou autre? Donc, je verrai. Voilà. Mais écoutez, sur ce, j'espère que la vidéo aura pu vous donner quelques petites idées. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire quel type vous utilisez. Plus efficace ou autre. Hein. Je verrai après ce que ça donne, si les personnages j'arrive à les jouer ou autre. Hein. Je vous dis à chaque fois, c'est pas parce que je fais des vidéos que je dis tiens la vérité absolue, hein, comme vous pouvez le voir. Hein, quand certains niveaux nous proposent un type de gameplay, bon j'en prends un autre parce que j'arrive pas à le jouer. Voilà quoi. Après chacun a sa façon de jouer. On peut que vous conseiller certaines choses pour essayer d'améliorer. Voilà. Allez, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !